Geocycle est la réponse concrète du groupe Holcim à tous les enjeux d'économie circulaire. Un des piliers fondamentaux concerne le recyclage. Et le groupe Holcim, à travers Geocycle, propose des solutions de valorisation pour toutes les entreprises. Chaque année, Geocycle propose la valorisation de plus de 8 millions de tonnes. L'inertage est une offre développée par Geocycle dédiée à traiter les terres polluées. Le principe consiste à fixer ou inerter chimiquement les éléments polluants afin qu'ils n'aient plus d'impact sur l'environnement et qu'ils redeviennent conformes aux seuils réglementaires. Cette technologie a été développée par le centre de recherche du groupe, basé près de Lyon, qui est le premier centre de R&D mondial sur les matériaux de construction. Elle consiste à apporter au cas par cas les réactifs en quantité choisie pour neutraliser les polluants, qu'il s'agisse de métaux lixiviables, de pollution organique ou en l'occurrence de la pyrite. Le principal risque associé à la pyrite est un phénomène d'oxydation naturelle. Le principe consiste à apporter des matériaux carbonatés en quantité et en qualité choisie afin de neutraliser ce risque acide au cœur même du matériau. Le site accueille 2 à 3 barges de déblai par jour, soit 5 000 à 7 500 tonnes par jour. La durée de l'opération sera d'environ 6 mois. Au-delà de la logistique fluviale déployée pour acheminer les matériaux jusqu'au quai de Saint-Vigor-d'Imonville, elle comprend les opérations de déchargement des barges, de transport des matériaux via les installations existantes. Il s'agit de 2,5 km de tapis convoyeur. L'opération comprend toutes les étapes liées à l'inertage des matériaux. Ce sont essentiellement des opérations de terrassement et de traitement déployées ici à grande échelle. Geocycle a conçu le procédé et les méthodes d'inertage et pilote en prestation propre toutes les étapes du processus et s'appuie sur des prestataires locaux. Régulièrement, des échantillons sont également confiés à un laboratoire d'expertise afin de confirmer qu'il n'y aura pas à terme de relargage potentiel de polluants ou d'acidité dans le milieu environnant.